Vous voulez le savoir? Non. Si. Non. Vous voyez, toute une histoire, c'est plus fort que Facebook, Internet. Pardon. Bonjour. Eh bien, dis donc, je crois que... Allez. Il va falloir que vous trouviez les mots, hein, pour... Je n'ai jamais oublié Béatrice non plus. Vous ne l'avez jamais oublié? Non. Pourquoi? Non. Parce que j'avais toujours son image, je dirais moi aussi, dans la tête. Mmh. Il y a des élèves qui vous marquent plus que d'autres. Mmh. Et puis, si j'ai fait du bien à Béatrice, je crois qu'elle aussi, elle m'a fait du bien la même année. C'est vrai? Oui, tout à fait. Pourquoi elle vous a fait du bien? Eh bien, je me souviens de Béatrice parce que de ses soucis avec sa maman en particulier, mais aussi de sa tristesse parce qu'elle avait perdu son papa, je ne sais pas depuis combien de temps, quand elle était en terminale. Mmh. Et vous savez que dans le programme de philosophie, on voit l'analyse des rêves, on voit Freud. Mmh. Et à ce moment-là, Béatrice m'a confié qu'elle faisait toujours le même rêve. Mmh.